Okay. Hello everyone, thank you for joining. For the language selection, there's an interpretation section at the right bottom side. So if you want to join this webinar in English, please choose English, and also you can also choose French as well. So click the right bottom button and select your preferred language, please. Okay, one more time. So the English and French version of communication you can choose. So please check the interpretation section on the right bottom. Then if you want this webinar series in English, please select English, or you can choose French. Then I think we can start, right? It's English for everyone. English for everyone? Yes. Okay. So shall we start? Sorry, I can't hear any French. Donc, on est prêt, nous sommes prêts pour commencer. So we all have to select English, and then they will speak either English or French. Okay. Est-ce que vous nous entendez? Do you hear us in the English channel? Yes. I can hear you in the English channel. So we will just switch ourselves the language. Nobody has to switch channel. Oh, okay. So okay. It should be easier for whoever connects. Mm-hmm. So just we can all of us can choose English. Are we still in the? But I can't really hear in French if I turn it on the French channel. Is that okay? I'm sorry, I didn't hear that. What? So I think we can start now. Is that right? François is here too. Okay. So let's start. Thank you everyone for joining this ACCP webinar series. This is the webinar series entitled Towards Clean, Bienvenue à notre série Healthy and Circular Cities in Africa. Pour aller vers des villes propres et circulaires en Afrique. My name is Toshi Kazumito. Je m'appelle Toshi Kazumito. I'm a consultant for UN Habitat. Je suis consultant chez UN Habitat. I'm a host of the MC of today's session. Et c'est moi qui vais organiser le webinaire d'aujourd'hui. Waste management is very challenging. La gestion des déchets est un grand défi. And specifically for waste collection. Pour ce qui concerne la collecte des déchets. And also how to deal with the final disposal. Également le traitement et la destination finale des déchets. They are very challenging issues and we need to overcome for the qui sont très importants et sont à surmonter pour la gestion des déchets. Additionally, we are now face the issue of COVID. De plus, nous devons à présent faire face au COVID. How to deal with solid waste infected by COVID? Et comment gérer les déchets solides infectés par le COVID? So this series consisted of three sessions. Et nous allons organiser trois sessions. We are going to discuss one by one. Et nous allons traiter un sujet différent pour chaque séance. Today we discuss waste collection. Nous allons parler de la collecte des déchets.
In February, we discussed the COVID issue. Février, les problèmes liés au COVID. And in March, we discussed the final disposal issues. Et en mars, le traitement final. Here, for the topic of waste collection, we have en ce qui concerne la collecte de des déchets, nous avons trois intervenants. Three presenters from UN Habitat. Qui viennent de UN Habitat. Kigali City in Rwanda. De la ville de Kigali au Rwanda. And also Bukavu in DRC. Et également Bukavu au DRC, RDC, en RDC. First, we'd like to hear from Miss Nao Takeuchi. Donc, d'abord, j'aimerais donner la parole à Nao Takeuchi. She's a solid waste management expert at UN Habitat. Experte dans la gestion des déchets solides municipaux au sein de UN Habitat. And her topic is about the waste waste worked tool for the basic understanding of the solid waste status of each city. Pour la compréhension et le recensement des déchets et de leur traitement. Which was established by UN Habitat, qui a été mis en place par UN Habitat, and assisting the African Clean Cities Platform activities, et assisté par les activités de la plateforme pour les villes propres africaines. And she's a key founder of this waste management tool. C'est un des membres clés et fondateur de cet outil pour la gestion des déchets. So now we'd like to hear from Ms. Takeuchi about the key topics about work and so far, what have we found out for African cities? À présent, Madame Takeuchi, pourriez-vous nous parler de l'outil WACT et de ce que ça implique pour les villes africaines? So now, Sandra, the floor is yours. C'est à vous. Thank you very much for your introduction. Merci beaucoup pour cette introduction. My name is Nao Takeuchi. Je m'appelle Nao Takeuchi. Waste management specialist from UN je suis Habitat. Spécialiste dans la gestion des déchets et je travaille chez UN Habitat. Nice to meet you. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Today I would like to make a little bit of a presentation about faire un tour d'horizon. Wastewater Cities Tool application results in a city in African cities et de les résultats dans les villes africaines. So let me share my screen. Alors je vais partager l'écran. Can everybody see my screen or presentation? Is my presentation okay? Or are you looking at the presenter screen? Presenter screen. Okay, let me try to. Can you see the presentation now? No, it's fine. Please go ahead. Okay, great, thank you. So today I'm going to make a presentation about challenges in the waste collection in African cities. So before going to the detail of the presentation, I would like to touch upon the global waste management challenges at the moment. At the moment, 2 billion people is without access to waste collection services. Three billion people is without access to controlled waste disposal facilities. And then if you go business as usual, 8 to 10% of global GHG emissions are expected to come from waste management system. And then every year, 8 million tons of plastic finds its way into the world oceans.
And in Africa, the voice generation is the because of the sub-Saharan Africa is the fastest growing region with the waste expected to nearly triple by 2050. And then under the situation in Africa, the less than half of the waste generated in Africa is collected formally. And the waste collection is often non-existent in rural areas, especially also in the slum and in informal settlements. So to address all these challenges in the growing waste management problems in Africa, the African Clean Cities Platform was established in 2017 in Maputo. And this meeting was participated by 150 people from 24 African countries. And these are three key action areas of the African Clean Cities Platform. So first action area is knowledge sharing and networking. And that is And then the ACCP assemblies, this consists of ACCP assemblies to be organized to share knowledge and experiences every 3 years in conjunction with TICAD, as well as online webinars such as this. And second action area is promoting the achievement of waste SDG targets in the continent. And the capacity development and training programs are provided for ACCP members to achieve waste-related SDG targets, as well as online knowledge sharing and learning opportunities. And a third action areas is the supporting project development in waste management. And then this includes the Waste by Cities tool application using this as a central data collection tool. ACCP support member cities to develop tangible projects on the ground. So before going into more detail about the Waste by Cities tool, I would like to shed a light on the SDGs. And under the SDGs, we have Goal 11, Goal 12, or Goal 14 related to different related to waste management issues. And under the as a UN Habitat as a custodian agency for one of the SDG indicator related to waste SDG indicators. 11.6.1. So we developed a monitoring methodology of SDG indicator 11.6.1, promotion of the municipal solid proportion of municipal solid waste collected and managed in control facilities out of total municipal solid waste generated by the city.
This helps cities to assess municipal solid waste generated, collected, and then treated in controlled facilities, identify the municipal solid waste recovery chain and then its actors while engaging them in an inclusive and participatory way, and then check the environmental control level of waste management facilities, establish better waste and resource management strategies that create businesses and livelihood opportunities, and then provide data for large waste management infrastructure investment cases to municipal corporation, waste stakeholders and investors. And then finally, we also support the project development and fund mobilization by connecting the member cities under the ACCP and then also the donors. Qui a, que tous les points qui sont établis ici, que vous voyez en face de vous sur la présentation, sont le développement du projet de l'application YCT, YCT Tools, qui permet d'établir et de retrouver toutes les données qui sont liées à la gestion des déchets et à leur retraitement dans les usines de retraitement dans les zones propices à cet effet. So I also, so one of the, so we did some survey in Nairobi in 2019 that actually shows the result of this. So aussi, il y a une enquête qui a été faite à Nairobi qui ne date pas de très longtemps et qui a été faite de manière à vous montrer le processus de retraitement des déchets et son efficacité. So the what we found out in Nairobi, for example, is that the waste is generated at about 3,000 tons per day in Nairobi, of which there are about 1,500 tons is received by disposal facilities, and then 463 tons is received to recovery facilities. And of course, there's a wastes going into the disposal facility from the recovery facilities as a reject residue, and then recyclables are recovered from disposal facilities and going back to the recovery chain. About 40 tons per day. On a a priori 3000 tonnes par jour de déchets qui sont amenés à Nairobi dans le centre de retraitement des déchets avec un aller-retour entre l'endroit où sont recouverts les déchets et traités, recyclés et l'endroit où sont disposés les déchets, un aller-retour est fait de manière assez quotidienne pour permettent de gérer ce recycle, cette manière de recycler de manière assez prononcée et efficace. And then as you can see, the disposal facility in Nairobi, it was a smoking mountain and open dump site. So the amount that is received by disposal facilities cannot be considered as a controlled amount of the waste managed in control facilities. However, the recovery facilities were reaching the basic level of control. So the 450 tons is controlled in Nairobi. L'endroit où étaient disposés les déchets jusqu'à présent était un ancien terrain vague abandonné, donc avec un manque de contrôle pour justement gérer l'ensemble des déchets qui arrivaient sans pouvoir réellement calculer ce qui était disposé là-bas. Par ailleurs, il était malgré tout facile de retrouver au niveau du recyclage et de définir de manière assez basique et de contrôler de manière assez basique la quantité de déchets recyclés dans cet endroit. And then as a result, as you can see, about 56% collected and 15% managed in control facilities. However, this leaves almost about 1,000 tons per day of the waste is uncollected, which is basically hanging around in slums, informal settlements, lower income areas, which does not have a waste collection service.
Comme vous pouvez le voir, par contre, nous avons globalement 65% des déchets retraités qui ont été collectés et qui ont été recyclés. Malheureusement, nous restons toujours avec à peu près 1000 tonnes de déchets non collectés par jour. Ces mêmes tonnes qui viennent des slums ou qui viennent des endroits abandonnés, des zones que nous ne pouvons pas atteindre et qui restent sans calcul ni collection. And then as a result, you also can see like 15% is city recovery rate. And then 1.25 kg per person per day of the food waste generated by Nairobi. Un ensemble assez conséquent de déchets peuvent ne pas être retraités puisque certains endroits ne sont pas accessibles par les camions de retraitement des déchets. Et donc, cela laisse à peu près pareillement un certain par jour qui ne peuvent pas être traités. And then now I hope that everybody sees the website that I'm showing. Voici le site web que vous devriez tous pouvoir voir, UN Habitat. So if you go to this website called Data, you can see that what the Waste Wise Cities truly is, and through the introduction video, and then you can also see that the data collected through the Waste Wise Cities tool here. And I would like to show you some of the results that we have done so far. So, for example, si vous allez dans la partie données de ce même site web, vous allez pouvoir retrouver la partie outils de Waste City Tools et notamment les données connectées à cet effet. Je voudrais maintenant vous montrer la carte de la planète par rapport au point où nous intervenons. So this is if you go to different countries and if you click, then you can actually find some cities that has been done the waste collection, waste by cities to application, and then you can see some of the results. So this is the Lagos results. You can see the key waste data like this. Si vous prenez par exemple les pays francophones, notamment où nous intervenons, vous pouvez voir les endroits, les villes qui ont été faites et vous pouvez voir aussi les résultats en affichant le PDF et les résultats que vous voyez directement sur l'écran. And then as you can see, the waste collection rate in one of the largest cities in Africa, Lagos, is 48%, leaving almost 6,000 tons per day of the waste uncollected. Vous voyez que, par exemple, sur une des villes les plus conséquentes d'Afrique, nous avons réussi à collecter 48% des déchets, ce qui nous laisse quand même 6000 tonnes par jour de déchets incollectés, non collectés. And if you go to, for example, Dar es Salaam, it's 36% is collected. Par exemple, en Tanzanie, nous avons 36% des déchets non collectés. So, 30% de collecté. 36% and uncollected waste is about almost 3,700 tons per day. And then if you go to some of the city which is very affected by the conflict, such as Bukavu in DRC, you can see the waste collection rate. Par exemple, dans la ville de Bukavu, nous avons un taux encore beaucoup moins élevé de collecte des déchets, notamment dû à la situation du pays, mais avec un taux de non-collection très élevé. And then, on the other hand, I would like to show you some of this is one article about the sorry, it's, the view is a little bit. Article about the waste management and collection in different cities in East Africa. Voici un article qui a été publié sur l'ensemble des régions d'Afrique où le traitement des déchets ou la collecte des déchets est possible. So Kigali is actually doing a very good job in the waste collection. So the percentage of the waste captured by system, which is waste management, which collected under the Waste by Cities tool, is 88%. Donc nous avons par exemple dans la zone de Kigali, avec la possibilité de capturer à travers le système le pourcentage de déchets collectés qui est à 88%, et donc c'est un,
c'était un beau chiffre. So today in this webinar, it would be great if we can have a very meaningful presentation, also the dialogue from the one of the speakers from Kigali. Nous aurions bien aimé avoir un retour du représentant de Kigali ici par rapport justement à ce chiffre qui est impressionnant et d'échanger de manière assez efficace et concrète sur justement le traitement des déchets dans cette zone. Yes, so I'm looking forward to an interesting dialogue between the speaker from Kigali and the speaker from Bukavu today. Thank you. Il serait très intéressant d'avoir un dialogue et une conversation à travers les représentants de Kigali et d'en savoir davantage sur la manière dont les déchets sont traités. C'est parfait. Merci pour cette présentation. Il est clair que la gestion des déchets en Afrique est un sujet très complexe et avec moins de 50% des déchets collectés. Donc cet événement sera enregistré. Vous pourrez tout vérifier ultérieurement et partager ces informations avec vos collègues. Okay, so now we'd like to move to the next speaker. À présent, j'invite notre prochain intervenant à prendre la parole, qui vient de Bukavu en RDC. Monsieur Swaziland, concernant la situation préoccupante des déchets dans la ville de Bukavu. François, vous êtes là? Can you hear me? Yes, very clearly. Vous m'entendez? Oui, très clairement. I actually apologize. I really apologize because of. Je souhaiterais m'excuser. And I have a request. Is it possible that Mr. Bogota from Kigali present and then I come after him? And then I can come after him. Et serait-ce possible que l'intervenant de Kigali parle en premier? Oui, je crois que Paulin est prêt. Donc, maintenant, j'aimerais inviter Paulin de la ville de Kigali au Rwanda. Kigali has a very good waste collection or other waste management status. Je vois que le statut de gestion des déchets à Kigali est positif pour l'instant. La situation est très intéressante. Rwanda faced the war. Car le Rwanda est un pays qui a été en guerre et qui a traversé une période de récupération. He overcame those challenges. That is a very interesting topic. So let's hear from the Mr. Pauline Bulegea. So the floor is yours. Thank you. Do you hear me? Yes, please go ahead. Yeah, thank you very much, Mr. Toshi. It's a pleasure to be into this webinar. And I'm going to share the situation of Kigali. I'm called Pauline Bulegea. I'm representing COPED, and COPED is a private company that is involved in waste management from more than 20 years now. The topic is called Kigali Experience to Improve Waste Collection Rate to More Than 8%. And the technique of Kigali was to plan for a shift from a classic system to a modern system. Now we are already under the smart system. So that's the trend. That's how we Kigali moved slowly, but now we are far. The content of the presentation
will be 7 points where we talk about waste management policy framework. Nous allons donner un tour d'ensemble des politiques de la gestion des déchets. The after genocide period, then the country ambitious targets by 2024, then the Kigali city waste profile, and then the waste management strategies. But also we talk about the current challenges and the proposed solutions. And later on, I will share with you some few slides about the corporate business model that participated into that achievement of Kigali City. Now, starting from this slide about the situation, how Rwanda worked with the legal framework that helped the city of Kigali to be successful, it's based on first number one, the political will and the legal framework. So after genocide, Rwanda started its journey of strategic country reconstruction and country development in almost all sectors. But particularly for waste management sector, Rwanda is now guided by different policies and laws and regulations. As you can see here, that is a list of some of them, especially those are just policies regarding the waste management, like the environmental policy, the environmental law, the sanitation policy, the integrated solid waste management strategy that is new now, the electronic waste management policy, the environmental health policy, and different regulations such as for solid waste collection and the others for recycling, landfill management, and even from the COVID time, Rwanda put in place guidelines for COVID waste, face mask disposal. So all of these are key documents that was put in place and enforced, and that made the case for Kigali. Now, talking to Kigali evolution, so I can say with Kigali waste management evolved over from the 10 last years as follow. So before 2010, there was no national policy or harmonized regulatory framework addressing solid waste management. So only NGOs, associations, private sector were undertaking solid waste management activity, but they were operating with very limited financial and technical resources. So issues was there. Alors donc, nous avions beaucoup de problèmes à résoudre. Mais avec des changements graduels, une urbanisation rapide et un changement des limites des villes, les limites géographiques et l'émergence de nouvelles institutions ont transformé la façon dont nos organisations, la gestion de ces déchets et leur régulation. Donc aujourd'hui, il y a une gestion linéaire. Les déchets sont collectés et déposés dans des décharges avec peu de recyclage formel de déchets inorganiques et pas beaucoup de retraitement de déchets organiques. Donc, depuis 1999, nous avons été témoins de changements. Jusqu'à 1999, la ville de Kigali organisait toutes les activités liées aux déchets et à leur gestion. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises privées dans ce secteur, mais certaines commençaient ces activités
y compris le COVID. Au cours des années qui ont suivi, il y a eu beaucoup de changements. En 2001, par exemple, le RURA, l'autorité régulatoire de l'équipement irlandais, a été créé. Et à partir de 2003, plus d'initiatives privées ont fleuri dans le secteur. En 2012, RURA a mis en place un ensemble de lois gouvernant la collecte des déchets et un mécanisme de licence pour les opérateurs dans le secteur. Donc, les choses commencent à s'organiser. Les collecteurs sont allés de 40 à 10 opérateurs licenciés en 2013. Et il y a eu un ensemble de règlements publiés. En 2016, une politique d'assainissement national. En 2016, les instructions de la ville de Kigali pour la gestion des déchets et de l'hygiène. En 2019, la décharge Nduba de Kigali fut privatisée pour des opérations quotidiennes. Avec une gestion venant de secteurs différents. Et cette année, nous avons une nouvelle stratégie intégrée pour la gestion des déchets. Et ce document régira les consignes futures. Et cette année aussi, nous allons mettre en place un programme de tri à la source. Donc, à présent, voici nos objectifs. Nous avons mis en place des cibles ambitieuses, dont parmi celles-ci, 40% de déchets solides collectés devraient être recyclés dans tout le pays d'ici 2024. 80% des déchets domestiques doivent être recyclés, réutilisés ou collectés de façon correcte, surtout dans les zones urbaines. La moitié des villes devraient trier leurs déchets. Et la moitié des déchets électroniques générés devront être recyclés et transformés dans des matériaux utilisables. Donc voici nos objectifs à présent. Maintenant le profil de la ville de Kigali. Voici des informations recueillies concernant notre ville. La ville recouvre 738 km² avec une population de 1,2 million. La gestion des déchets fait partie des 4 zones prioritaires d'assainissement urbain. Le taux de génération de déchets et de 0,5 kg par jour par tête, et la quantité collectée 500 à 800 tonnes par jour en 2019. La prévision 300 tonnes par jour en 2030, donc une augmentation de 63%, et un taux de collection aujourd'hui de 88% en zone urbaine, 70% de sources organique et 70% des personnes vivant à Kigali sont prêtes à trier leurs déchets à la source. Cela sera accompli selon un code couleur. Vert pour les déchets organiques, bleu pour les déchets recyclables, noir pour les déchets que l'on peut collecter, jaune les déchets médicaux et rouge les déchets dangereux. Selon des couleurs que nous avons sélectionnées pour informer les gens sur la nature des déchets. Ensuite, les stratégies de gestion des déchets. But six of them.
Nous avons différentes stratégies. Voici les six plus principales. Nous avons donc nos objectifs ambitieux. 80% des déchets domestiques être recyclés d'ici 2024. Donc, ces déchets domestiques doivent être collectés à hauteur de 80%. Nous avons aussi pris la décision d'opérer un transfert d'un système classique à un système moderne, ainsi vers un système intelligent pour intégrer cette gestion à l'économie circulaire et en changeant la stratégie actuelle en centre de récupération des déchets. Nous avons aussi décidé de privatiser entièrement les activités des déchets, de la collection à l'enfouissement, à travers des modèles de partenariat public et privé, mais la ville reste en tant qu'agent de supervision, de contrôle et d'application. Kigali a aussi décidé d'adopter des systèmes de gestion des déchets intégrés en tant que méthode durable pour la gestion des déchets solides. Donc la stratégie est en place à partir de 2022 pour les objectifs 2024. Nous avons aussi commencé une campagne de tri à partir de la source pour toute la ville, combinée avec une vaste campagne d'éducation des déchets. Et pour finir, une stratégie intelligente de gestion des déchets pour la génération, la collecte et le traitement des déchets. Donc voici les stratégies. Donc avec tout cela, nous avons également des défis et des solutions proposées. Donc, les données, premièrement, les données sur les déchets. Nous avons besoin d'une collecte systématique de données concernant les déchets, surtout pour une gestion intelligente des déchets. Il faut mettre à jour les capacités. Nous avons besoin de faire en sorte de correspondre aux prérequis du gouvernement en matière de service des déchets et de la capacité de cette valeur. Un autre de ces challenges, ces défis, est par rapport à l'ingénierie de ces zones de dépose pour déposer les déchets. Nous avons une responsabilité en termes de production étendue. Le Rwanda a besoin de renforcer sa stratégie de manière à l'appliquer pour les principes de pollution du pays. C'est une responsabilité en cours de développement, c'est une stratégie en cours de développement par rapport à cette production. Et finalement, le cinquième des défis est par rapport au taux de collection qui est assez élevé par rapport au taux de recyclage qui est très bas. Dès le moment où nous avons une mise à jour des capacités et cette responsabilité de la production étendue, cette stratégie, nous allons pouvoir mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus facile à contrôler et inverser la donne. Et faire en sorte de rassembler ces opportunités de recyclage. Ce que vous avez devant les yeux est le business model, le modèle de business qui est employé par nos soins. Ce sont des données qui sont connues par tout le monde, ce que vous venez de voir juste avant. La pollution par le sol, par l'air,
Mais depuis, ce qui est clé dans tout ce processus est le développement de la chaîne de production et sa valeur. Au cours des années, nous avons réussi à développer et à faire en sorte que ce processus devienne de plus en plus efficace. Renforcement de ce processus et que nous atteignions de bons résultats. Depuis l'année dernière, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, dans une économie circulaire, une nouvelle approche qui est une économie circulaire, ce qui est généré à la source, le transport par route et bien évidemment le retraitement des déchets ensuite. Dans cette économie circulaire que nous avons, nous aurons la génération de ces mêmes déchets, le transport à 100%, le retraitement à 90%, et dans les zones et les endroits abandonnés, uniquement 2% des déchets vont être traités par là-bas. Voici le processus que nous tentons de mettre en place et que nous tentons de générer. Depuis 2015 jusqu'à 2021, nous avons tenté de mettre cela en place, dans les zones résidentielles notamment. Nous avons commencé à éduquer nos concitoyens et nos résidents à cette manière de fonctionner, en leur donnant les outils et les moyens de le faire. Nous utilisons un ou deux camions pour ce faire, mais sans que ce soit mixte. Pour tout ce qui est déchets commerciaux, au lieu d'utiliser des bus, nous utilisons des poubelles de différentes couleurs, avec des poubelles de couleurs par rapport à la spécificité des déchets qui sont utilisés, ainsi qu'un service de déchets liquides dont nous pouvons disposer. Ce qui était en réalité autrefois une zone de déchets va devenir une zone de recyclage des déchets organiques, des déchets recyclables et des déchets non recyclables. Tout ce qui est pris des résidences, des commerces et autres déchets spéciaux va être envoyé aux ressources, au centre de ressources de retraitement des déchets, pour ensuite être traité en trois catégories, les déchets organiques, les déchets recyclables et les non-déchets recyclables, dont certains de ces déchets non recyclables iront dans cette zone de landfill qui sont des zones abandonnées. Un exemple à travers des images de ce que ça peut donner. Voici pour les déchets organiques ainsi que les autres déchets. Tout ce qui a été recyclé ici est compressé et vous pouvez voir le résultat à travers les images qui vous sont mises devant les yeux. Nous optons aussi pour une smart city, à savoir des solutions hybrides de manière à avoir un combo de services avec une pré-collection des déchets, la collection des déchets, un autre service avec le pré-traitement des déchets ensuite, avec une séparation des déchets sur site, le traitement et la dépose des déchets, le recyclage, les déchets dangereux, l'incinération, les résidus. Et pour terminer, rendre la ville plus agréable et accessible aux concitoyens en nettoyant les routes, en plantant des arbres et en créant des zones de verdure. Voilà la fin de ma présentation. Merci à tous de m'avoir écouté.
Et bien évidemment, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions sur la présentation. Et je suis sûr que tous ceux qui sont dans cette Zoom aujourd'hui ont beaucoup de questions aussi. Nous pourrons avoir une discussion ouverte, bien évidemment, ensuite. Merci beaucoup. Nous avons maintenant dans la ville de Bukavu City. C'est maintenant au tour de Francis Bukavu qui va nous parler de leur manière de fonctionner. C'est à vous. Merci, merci à tout le monde. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager ma présentation? Je n'ai pas le moyen de le faire. J'aimerais remercier tous les participants de ce webinaire, tous les organisateurs, et vous présenter. Et j'aimerais faire cette présentation en français. Je vais faire cette. Vous pouvez présenter en français. Nous avons la possibilité de traduire en français. Donc, si vous voulez, nous pouvons traduire en anglais directement plutôt que de traduire en français. Donc, vous pouvez tout simplement vous connecter au canal anglais où vous aurez aussi la traduction en anglais si vous faites votre présentation en français. Yes, I can see it. Okay, so you can make a presentation like for either the way French or English, whichever you like. So the presentation will be now given in French. We will switch to English translation. Okay. Yeah, that's good. Yes. As well. Okay. Thank you. Yeah. Thank you too. So very much. And as the presentation is on, so let's continue. La présentation. Donc, est-ce que je pourrais avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Nous allons parler des défis dans la gestion des déchets. J'aimerais localiser la ville concernée pour commencer en RDC, parce que je crois que nombreux d'entre vous ne savent pas exactement où Bukavu se situe. Donc, nous sommes dans la partie est de la RDC. Nous sommes séparés du Rwanda par le lac Kivu et le fleuve Ruzizi. Et nous sommes administrativement divisés en trois communes, Ibanda, Bagira et Kadutu. Nous recouvrons 60 km carrés avec une population estimée d'environ 1,3 million d'habitants en 2021. En ce moment, nous avons des défis importants en ce qui concerne la gestion des déchets. Sur la diapositive suivante, nous voyons que le maire a essayé d'appliquer la gestion des déchets à différents revenus. Le maire actuel vient de notre secteur. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, il souhaite que nous travaillions ensemble pour réduire le problème
de la gestion des déchets. La mission du maire actuel est d'impliquer et d'éduquer tous les citoyens pour que tous prennent part à la gestion des déchets. Et lui-même veut transformer les déchets pour créer une ville contemporaine attractive. Et que cela serve au bien-être des générations présentes et futures. Il souhaite que les citoyens aient la même compréhension que lui. Comme il est maire, il ne peut pas transformer la ville lui-même. Mais il souhaite diffuser cette vision grâce à certains partenariats, notamment avec UN Habitat et la plateforme pour les villes africaines propres qui ont accepté d'apporter leur soutien technique à la gestion des déchets. Et ils ont fait un travail fantastique pour nous aider dans la ville de Bukavu. Pour appliquer des données plus scientifiques à la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Donc, maintenant, la situation actuelle est alarmante à Bukavu. L'équipe des Nations Unies, avec l'outil WAP dont nous avons parlé, ont fait un travail pour comprendre comment les déchets étaient générés et traités dans la ville. Nous avons divisé la population en trois catégories basées sur leurs revenus. Et cela nous aide à comprendre comment les déchets sont générés. Donc, 0,63 pour les hauts revenus. kg par day, 110 kg par jour, 0,46 kg et 0,25 pour les revenus plus bas. Donc le total, un total, une moyenne de 0,48 par tête. 629 par jour. Donc ensuite, la diapositive suivante. J'aimerais que nos participants en sachent plus sur les citoyens. Nous avons 277 400 ménages identifiés par la municipalité qui génèrent 898 tonnes de déchets solides par jour, donc en moyenne 0,48 kilos par tête par jour. Malheureusement, seulement 7% de ces déchets sont collectés, ce qui signifie que 93% atterrissent dans la rue ou sont brûlés ou sont parfois jetés dans le lac Kivu ou le fleuve Ruzizi ou dans le caniveau tout simplement, et la pluie emmène ces déchets vers les rivières. Ce schéma vous montre comment les déchets sont générés dans la ville de Bukavu, comment cela est collecté et les déchets qui restent dans la ville,
C'est alarmant, c'est un défi pour nous. Et le maire travaille avec ses partenaires pour réduire ces problèmes et aider les citoyens de la ville. Ensuite, diapositive suivante. Donc, ici, l'étude WACT pour comprendre comment ces déchets sont générés et collectés. Donc, nous générons 898 tonnes par jour et 63 tonnes sont collectées tous les jours. Il y a des organisations qui ont à la charge de récupérer et de recycler les déchets. Mais de fait, ils ne consomment et ne recyclent pas une grosse quantité de déchets. Donc, nous ne pouvons recycler qu'une tonne par jour avec les équipements dont nous disposons en ce moment. Si vous visitez la ville, vous verrez que les déchets sont laissés pour compte dans la rue. Je n'entends pas bien l'enregistrement. La population entrepose les déchets dans la rue au lieu de les jeter. La municipalité a installé des ensembles de poubelles à des points stratégiques, comme vous voyez. Et la population vient y amener ses déchets. Le problème est que la capacité de collecte est très basse. Et parfois, les déchets ne sont pas collectés pendant des jours, ce qui accroît au problème. La municipalité souhaite aussi impliquer la population et des organisations de jeunes, ce qui crée des emplois jeunes. La municipalité a été divisée en zones. Nous n'avons pas toujours le personnel nécessaire pour la collecte des déchets. Nous avons ouvert ce secteur au monde associatif et beaucoup d'associations étaient créées, chapeautées par la municipalité. Donc, grâce à ces partenariats, il y a des initiatives de collecte de déchets dans des zones ciblées. Mais malheureusement, cela concerne que 3 000 ménages sur les 277 400 de la ville, 1,08%. Et ces organisations de jeunes sont les principales qui s'attaquent à ce problème. Et cela crée des emplois dans le secteur des déchets. Dans la ville, il y a environ 36 associations de ce type ciblées sur la gestion des déchets. Nous leur donnons aussi les camions, l'infrastructure pour ce faire. 3000 foyers, seulement 1% de la ville participe à ce programme. Nous pensons l'augmenter et aussi conscientiser les ménages afin qu'ils viennent s'inscrire auprès de ces associations et que les déchets qu'ils génèrent sont collectés par ces organisations. Prochaine diapositive. Nous allons ensuite regarder les raisons pour un tel bas taux de collecte. Donc, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, mais nous sommes limités dans nos capacités de collecte pour la ville. Et nous, la municipalité, ne sommes pas dans une position où nous pouvons gérer la collecte des déchets. Donc, il y a ce problème de capacité de collecte dans la ville.
Sur la diapo précédente, nous avons vu deux camions. Nous ne disposons que de deux camions pour assurer cette collecte. Nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons gérer la collecte de ces 300 000 ménages environ avec deux camions. Nous devons collecter. Il y a aussi le problème de non-accessibilité de certaines zones de la ville pour la collecte. Par exemple, certains quartiers sont enclavés géographiquement et dans ces zones, les associations de jeunes ne pourraient pas y accéder facilement. Cela affecte le taux de collecte. Nous avons aussi le bas taux des revenus des ménages. C'est aussi une des raisons principales. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas, qui ont l'habitude de laisser les déchets dans la rue, dans les rivières, dans le lac. C'est une culture, un manque de culture. Et c'est grâce aux associations de jeunes que nous pensons changer les mentalités. Mais ce manque de culture est aussi un frein à nos activités. Peu d'implication à la base pour accroître la conscience des ménages du problème. Comme j'ai dit, nous avons trois communes et chaque commune est divisée en quartiers et des avenues. Dans les différents quartiers, il y a des chefs de quartier et chefs d'avenue que nous appelons en anglais les managers de base. Et ce sont des personnes qui peuvent travailler auprès des ménages pour réduire ce problème. Ces personnes ne prennent pas ce rôle pour l'instant très à cœur. Ils ont peut-être peu de conscience eux-mêmes. Il y a aussi des enfants qui déplacent les déchets d'un endroit à l'autre. The children are cheaper. When you give them something like $1, they can easily. Ils le font pour un peu d'argent. Donc c'est un système qui coûte moins cher pour la population. When you give a certain youth or a child 1,000 francs, you can easily waste it. Quand vous donnez une petite somme à un enfant, il peut facilement emmener vos déchets et les enfouir quelque part. Il y a aussi un manque d'unité de traitement des déchets. C'est aussi un obstacle majeur. Nous n'avons pas forcément les unités pour transformer. Donc ensuite, la prochaine diapo. Manque de professionnalisme des collecteurs, il n'y a pas beaucoup de formation ou d'apport technique. Certains sont membres d'associations spécialisées et ils finissent quand même par mettre les déchets dans des décharges. Nous avons également un manque de satisfaction. Une déception des chefs de ménage, car ces organisations sont dans des zones différentes.
Et chaque organisation est responsable d'une zone, ne peut pas aller collecter dans des zones régies par d'autres organisations. Et parfois, il y a un manque de connaissances à ce niveau qui crée des insatisfactions. Allocated to my area, that household owner is not doesn't have courage enough. Is not. Donc un ménage est assigné à une zone. Le chef de foyer n'est pas toujours au point où ce ne se rappelle pas toujours de la zone attribuée. Et parfois, ne s'immatricule pas auprès de la bonne organisation. Nous avons deux recherches publiques dans la ville. Une, malheureusement, est à proximité du fleuve. Car c'était comme ça que la ville a été organisée il y a longtemps. Nous utilisons ce site, mais l'accès est très difficile, surtout lorsqu'il pleut, car la route pour y aller n'est pas goudronnée. Il est très difficile pour les camions de s'y rendre. Il faudrait un pont pour accéder à ce site. Alors, même les organisations, les associations de jeunes préfèrent se débarrasser des déchets de façon sauvage. Ce n'est pas très responsable. C'est une question de culture, mais aussi d'infrastructure. Nous avons aussi un manquement au niveau de la loi. Il y a un gouverneur à Bukavu. Et les assemblées provinciales et celles qui dépendent du maire, nos trois institutions qui peuvent prendre les décisions concernant la gestion des déchets. Mais le problème est que la loi n'est pas uniformément appliquée et ceux qui contreviennent à ces lois ne sont pas sanctionnés. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas un manque d'infrastructure, nous n'avons pas l'équipement qu'il faut et il y a un manque de sites de transit dans différentes zones. Dans chaque zone de Bukavu, les déchets ménagers, dans certaines zones, il n'y a pas vraiment de site de transit. Donc les camions n'ont pas accès à des zones de transit dans certains quartiers. En ce qui concerne la gestion des déchets, la couverture du zonage n'est pas complète. That is also one of the problems we are having. Now, c'est aussi un problème que nous avons. Nous avons six plans qui peuvent nous aider à générer des solutions. Si nous pouvons réussir à travailler sur ces plans, nous pouvons bien évidemment accélérer et améliorer notre manière de retraitement des déchets. L'amélioration de la capacité de collection en équipant la municipalité de véhicules de retraitement des déchets, de collecte des déchets. Solving this problem of increasing the waste collection, so the city will get enough machinery, lorries. En essayant de donner à la municipalité assez de camions ben pour pouvoir collecter les déchets. La deuxième, de
d'améliorer et de rendre la connaissance publique et la conscience des gens plus responsables sur la gestion des déchets et notamment l'enregistrement des organisations qui puissent faciliter cette même collection des déchets. Nous pouvons ensemble améliorer la collecte des déchets. Nous avons aussi la possibilité de transformer les déchets en bénéfices. C'est une manière de créer des emplois et de donner la possibilité économiquement aux communautés et aux jeunes de se mettre à cette gestion des déchets de manière active. Si nous avons assez de machines et que nous pouvons appliquer une logistique sur ces machines, nous pourrons peut-être générer des emplois. La communication avec le présentateur n'est pas bonne, j'ai du mal à entendre ce qu'il dit. Being transformed and they see a new product, they buy the new product, it helps them to do other things. Dès l'instant où un nouveau produit sort sur le marché, cela incite les consommateurs à l'utiliser, cela incite la population à changer sa manière de fonctionner et à améliorer les circonstances et tout ce qui tourne autour du retraitement des déchets. Nous avons besoin d'un support technique et bien évidemment d'un support financier pour trouver une solution. Nous souhaitons que tous nos concitoyens vivent dans un environnement sain, qui soit confortable dans lequel vivre. Et il faut que nous sachions quoi faire des déchets dès l'instant où nous les déchargeons dans des décharges publiques. Ce sont les six raisons qui sont des points clés de ce que nous pouvons appliquer en termes de gestion des déchets. Merci d'avoir suivi cette présentation. Voici mes coordonnées. Vous pouvez à tout moment nous envoyer un email ou nous contacter à travers le numéro que vous voyez ici. Nous apprécions de pouvoir d'avoir eu cette opportunité de nous exprimer aujourd'hui sur ce webinaire. Et nous espérons pouvoir aider tout le monde en Afrique à gérer ces problème de déchets. Thank you everyone. Merci pour cette présentation qui était très claire. Même si le taux de collection des déchets à Bukavu est assez bas, nous avons cette liste qui a été faite par François dans la gestion des déchets, dans la conscience des gens, et tout ce qui est lié à la gestion publique avec la municipalité est quelque chose de très commun au sein des pays africains. Dans ma compréhension des choses, même au Rwanda, la situation était la même. J'aimerais commencer en posant cette question à Pauline. Kigali est dans la même situation, non? C'est bien ça? Mais maintenant, vous êtes bien au-delà de ces problèmes-là. Vous aviez des défis similaires. Bien évidemment, la même chose que les points qui ont été listés par Francis. Pour tous vos collègues et les pays en Afrique, comment avez-vous réussi? Peuvent-ils améliorer leur système et aller au-delà de leurs défis? Et je crois que
vous venez du secteur privé aussi et que vos gestions, votre gestion est différente en termes de fonctionnement. Comment voyez-vous cet équilibre entre le côté privé et le côté public des choses? Et après cette question posée à Pauline, bien évidemment, tout le monde peut poser des questions s'il le souhaite. La parole est à vous, Pauline. Merci, merci beaucoup. Que pouvons-nous faire pour d'autres pays, d'autres villes, de manière à améliorer notre gestion? Il faut une combinaison des stratégies. Il y a des éléments clés là-dedans. Le premier élément, bien évidemment, la logistique. Les lois, les régulations, comment c'est mis en place, et bien évidemment, la connaissance du public et de la municipalité à ce niveau-là. C'est une combinaison de tout ces éléments-là. Bien évidemment, ce doit être fait pas à pas. Ça ne peut pas arriver de la nuit sur le lendemain. Then the enforcement, because when you have laws, you have to enforce them, and you educate people because you will not force only, but you have to educate people. So this is why I have said now in Kigali, 70% of people are willing to sort their waste. Now we are at that level of sorting from the source. So it can work. We have seen in Rwanda working, so it can work. So now I don't get very well the other question about the public and the private balance. Can you repeat again, Toshi? What was the question? I just wondered, you know, like in case of Kigali, like corporate group, you know, you first led the cleaning the cities, you know, then my impression is that the Kigali city as a public institution followed your lead and now you are working together kind of thing. But how do you see like what balance will be or what kind of relationship will be very important to make the waste collection or the clean city the strategy successful? I think based on the experience here, you a city should have pioneers with a passion. So, and that is what happened here. So on our case, we started alone in Kigali, but after 5 years, others came in. So we have now like more than 10 companies working in this sector, but everyone play his role. But committed companies. So you should have those private committed with willingness. But the environment that is a good environment to work also facilitate a private to stay in a business. So because you see a vision is sustainability. So that is how the private should play a role and stay in a business when there is a conducive environment created by the public. So, and finally, you get in a situation where you see a win-win situation. So the private is gaining because the environment is helping him to work. And the public is also gaining because they are no longer financing. For example, Kigali is no longer spending or any coin, any amount of money for waste collection. While in other cities, municipalities are spending money. The one that there is no money spent by the municipality to collect, only they manage the landfill, and currently even they are looking for PPPs, partnerships to manage. Et bien évidemment, tout ce que nous attendons, c'est aujourd'hui des partenariats avec d'autres entreprises privées pour continuer d'améliorer nos processus. Related question. So no equipment is
sponsored from the city. It's just financed by the private sector. Is that the current situation? Exactly. Interesting. And also there is a question about waste sorting from the source, about the material recovery center. How is the situation status in Kigali at this moment? Like, do you have a many recovery center in Kigali, or how does it work for the source, sorting from the source? Oh, currently Kigali doesn't have resource recovery center. As I said during the presentation, they preferred to set up a one center at the landfill. So Kigali is going to improve the landfill, change it into a resource recovery center. It will be also a combination. It will be a combination of first a recycling center. Let's say they will put machinery to set up as a factory, but also there will be a sanitary landfill on one side, on the other side, to receive only the residues that are not able to be recycled. So we have also three districts like Bukavu, but the city council refused to set up recycling center or collection center in each and every district. No, they say better we channel all on one place and we increase the collection, because having different sites may create problems. So this is how it is. Thank you very much. Another question to Francois. It's about the mobilization of the youth. They have a good potential for better waste management and waste collection, but the questionnaire poses that education for the youth, what material waste would be valuable for recycling, such kind of education is quite important. So Francois, does the city have any plan to provide that kind of education to the youth? Yes. Actually, we do have a plan as the city. We do have a plan, and we are currently working on getting some funds in terms of improving the creation awareness, the public education, and even getting all those partners, because you call them, they are our stakeholders, main stakeholders in waste management, the youth organizations. So time to time, we do call them as the city, and we exchange together in terms of the waste management. So we have that plan, and we are working on that. We are currently working on that. And we really believe that, as Kigali has just said, together, step by step, the mentality, the mindset of people will change, and they will now understand that this is our business. It's not someone's business. It is not the city's business. It is our business. So we actually having such plan, and we are working together. Thank you very much. There's another question about the decentralization of the material recovery center, but I think Pauline's answer is linked to this, and also maybe depends on the size of the city. The Kigali city is relatively compact, so maybe the situation depends on the scale. And another question posted at the chat box about the issue of the exportation of hazardous waste to African cities, African places. I think that is a very critical problem, and the ACCP should deal with it. But this topic is beyond today's topic and a series of topic up to March. So maybe we can keep note on this, and if there's a chance, we should discuss that at a separate session as well. And there's another question. Mito-san, I think that the question is about the whether or not in Kigali, this is also a question about for the Kigali, mm-hmm. whether or not that the collection service paid directly by citizens or waste producers to the private company offering the service, or like, is there any like subsidies coming from the Kigali government to the private sector? The financial scheme for the waste collection. Mm-hmm. Pauline, can you illustrate this point? Yeah, thank you for the question. Yeah, it is, I can say it is a unique
and a unique approach that Kigali took when we compare to all other many cities in the world. So Kigali has a unique situation where we have a model where every waste generator is paying for his waste or her waste. So waste is paid 100% by the waste generator. But there is something that you have to note. To happen, there is a government institution called the RURA, and that is the Rwanda Utility Regulatory Authority. So the regulatory body regulates the prices and allocate zones to waste collectors. So the prices are set. So what we have to, a company has to just be allocated a location with a price which is set, then start operation. So no any single subsidy from the government is injected in. How do you deal with this affordability issue, especially from like low income or slum areas? Many people who is living in poverty, especially in the context of Africa, I think this is a big problem. And then where the waste is not collected in many African cities are actually informal settlements and stuff. So I'm just wondering about how did you really set and how did you really like manage the affordability issues in terms of setting the prices? It is a good model. We call it mutual. It's like a mutuality. So the prices are set in order. Okay, first number one, people or category or household are classified by the local authorities. There is a classification of high income, middle income, and low income. So prices are set according to that. And the high income subsidize the low income people. So let's give you an example. The low income, they pay $1. The middle income, they pay $3 a month. The high income people pay $5 a month. So while the service for the collection is $3 a month. So you understand the low income, they are subsidized by the high income to make the service similar for all. There is no special service for high income. The service is similar. So this is how it is organized. Okay, of course, they understand the low income, they don't pay very well. You have all of those challenges, not paying well. Sorry, but since the high income have paid very well, the middle income have paid, so the low income could be served. And we have even the zero income people that are totally exempted from the payment. So it is all organized like that. Very interesting. Very interesting. I think it is that because of that, you know, that generally for the better waste management and also good waste collection, people trust your system, right? In Kigali City, that's why people, at least majority, are supporting this scheme, which is quite interesting. Very interesting. I also have a quick question to Kigali because the most important thing is legislation and political will. And I also heard that actually Kigali has, you have to pay a very high fine, like $5,000 when you litter in Kigali. Is it true? And then also the policeman, how do you really like enforce this? Okay, about the enforcement, that is exaggeration first, number one. But Rwanda is very tough about the enforcement and compliance. So, and how is it done? Remember, we have on the top, we have a law, and in the middle, we have regulations. The law from the government and regulations from the institution, the RURA, which is the regulatory body. So in all of this, there is a case where you apply the
the sanction from the law. For example, a factory that can make a mistake and pollute the water or the river, they are punished by the law. But a corporation that is not paying, or a company that is making a mistake, there is a regression, then some small punishment. But the key is the enforcement. When you make a mistake, you are punished by fines that are fair. And that fines, they pass through the waste collectors, and we agree that fines are okay. So there is no exaggeration, only there is a strong enforcement. And people, they are aware about that. Thank you. There's a question from Mr. Rob Solenas. I'll allow to talk. So can you speak up? Am I audible? Yes, we can hear you. Okay. Yeah, so my name is Rob. I'm from Swissmart, and my experience is from Europe, especially the Netherlands. But I'm working now in Southeast Asia and Africa. And there is, of course, a resemblance between what's happening in Africa nowadays and what had happened in the past in Europe. And I totally agree, and I must first compliment Kigari on what they have implemented already, because there are some principles which are really, really very important, in my opinion, which is polluter pays. I think that is great, and they also found a solution related to income, what they should contribute for collection and waste disposal. And again, coming to finance, I think everything is triggered by finance. So I would like to give you an example how things in India, in a certain city, in this specific case in Bangalore, is working. There, the capex necessary to do the collection is financed by the municipality. They also organize the dry waste collection centers, meaning that's a center, let's say a sort of a transit center, where what is collected in a certain ward, so in a certain area, goes to. Once that arrives in that center and that goes to the recyclables, then the informal sector has given the opportunity to occupy such a center. Once the waste is there, everything is then owned by these waste takers. In other words, they have an obligation. They have to collect the waste. The trucks and the drivers are being paid. Once that dry waste is coming into such a center, the people working there own the waste. So how good they are organized and are able to segregate the waste, that makes their income. And that's working quite well. And what I would like to say with this, if the use, for instance, in Bukavu would have given, if they would give them such an opportunity, that either by funding from bigger companies or UN Habitat or one of those other, there are so many funding organizations. If CAPEX can be granted, then the operations, I'm quite sure, would be manageable with the people themselves, with the youth or even other people as well. I think that's also a great example. CAPEX, yes, very expensive, very difficult to organize, but some funding probably necessary. OPEX, in that case, and the operational costs can be covered if people do good segregation. Because again, I think the segregation, especially, and also for the organics doing that in the composting, is very important not to dump everything in the landfill. Even if it's a sanitized landfill, it's still a waste of valuable materials. Francois, any response? Yes. I've seen a question there posted by now. Actually, the youth organizations are collecting some fees from the households. As you can see in my presentation, I think you have seen that one of the reasons is that
the not many households have the capacity to pay the monthly fee. They do charge. The youth organizations do charge, but the problem is the power, the capacity. They don't have enough money. The revenue doesn't allow them to be paying continuously to the youth organizations for the collection of the waste. Now, what the city does is that apart from looking for the capacity to help youth organization, you know, what happens is that once my organization, for example, if I have an organization, I am in charge of collecting in a certain area, I don't have lorries. Now I have to borrow, I have to request the lorry from the city to come and collect the waste that I've already collected from the households. And then I will have to pay for like for the fuel and yeah, they will not pay for the lorry from the city, but I have to fuel the car so that I can collect from the specific points. I take the waste to the dump site. Now, the not many households are registered, as I've said, only 1%. So the city is now trying to come up with some project. Actually, we developed a project in terms of capacity building for the city. We really think if we can get machinery enough capacity, we can actually do great work in terms of helping the youth organizations, because they are collecting, but they are picking from the households, but they are not taking from household or from a certain specific point to the dump site. So they collect, but not lorries to pick from a specific point to the dump site. And that is the work of the city to help the youth organizations. Once we sign an agreement, a partnership agreement with the youth organization, we have to help them. We have to provide for the lorry. We as a city, we have to provide for the lorry to the youth organization so that they can be loading the lorry and dumping the waste to the dump site. But we are having that challenge in terms of machinery, in terms of logistics. So on making the youth understanding that they should recycle or they have to make more income, that is something important we are working on, because as I've said, you know, in Africa, I think many people will not disagree with me. In Africa, this sector of waste is being considered as something belonging to some people who did not go to school. You know, it's in very few areas where you see people went to school are now investing in waste, because mostly waste is just considered as something not someone who went to school should not deal with waste. You know, it is something, I mean, culturally, it's something we have to reject, you know. And now people are coming up with the idea of, oh, it's a nice sector, we can invest in it, we can make money, yeah, out of waste, we can do so many things, yeah, we can create jobs. Now people are starting to understand that. But earlier, people could not understand that anyone can do this work. It was like the work that is reserved to some people who did not go to school. So we are trying to train as the city now. We also developed a program that we are training the youth in terms of recycling. They have to recycle the waste that is being generated. It will create jobs for them. It will consume enough, a lot of quantity of waste generated. And that's a program on the table in the municipality that we are working on it too. So thank you. Thank you very much, Kwanza, for very positive remarks. We should move forward, you know, by those, you know, good information. And there are a lot more questions, but unfortunately we are out of time. So let's continue this discussion for coming series and also other opportunities. And Pauline and Francois, is it fine to share your presentation to the participants? Yeah, sure. Is that all right? Fine. Yeah. Many in the chat box, many participants request that the presentation material. So now we can arrange how to share those materials. Sure. Yeah, through the website or any other modalities, we can think about it and then share a link for the participants as well. And then also we will summarize the report and summarize the result of this webinar, which is, I think, is a very, very interesting topic. Mm. And then probably 1.5 hour or like 2 hours is not enough to really talk about this in depth. Yeah. So maybe for the coming year, we probably can continue this dialogue and then keep continuing this knowledge sharing, which is very, for me, is also very, very interesting to really know the different perspectives and the different viewpoints from a very different cities from Africa. And then
I think these what we have discussed so far will be very, very thought-provoking and very interesting points for so many people who are really working on this sector in the continent. So yeah. Thank you. We will arrange it and then share it later. Yeah. There are a lot of informative discussion and I'm very happy about it. But to make the closure of this session, just repeat what Pauline mentioned about the four key points, if I take a note well. Political will, law and enforcement, and education. Are they the four key points, right? Yeah. So let's keep those in our mind and see how each city in Africa can improve our waste management, starting from the waste collection. So thank you very much all. So have a good morning, good afternoon, good night for all Africa. And thank you. And keep in touch. And let's please join for the next session in February. See you then. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Bye bye. 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 Thank you, Pauline. Very good presentation and all good discussion.